Dieu, j'aimerais savoir une TV. Donc, on va retrouver à sans plus tarder. Monsieur Bigon marchait sur la rue. Il sortit de sa poche un revolver. Tchou. Monsieur Bigon était content de son revolver. Vous voulez des beaux meubles, des télés, des divans, des sofas et plein de belles choses? Bien, venez faire un tour chez Gérard et Fils, situé sur 123 Wall Street, ameublement d'intérieur, où nous adorons comme vous les congés d'intérêt, les versements égaux et les paiements différés. Aucun intérêt n'est imposé durant la période sans paiement, et vous avez la possibilité de payer tout article en 36 versements égaux. Ensuite, pour les nouvelles... Hey, man, moi j'ai qu'on va faire un tour petit peu juste pour voir. Ouais, bonne idée. Ouais. Go. Go. Wow, c'est chic, c'est? Ouais, c'est chez Cangrand. Bonjour. Bonjour. Oui. Monsieur. Bonjour. Bonjour. Je peux vous chercher quelque chose en particulier? Ben ouais, on vient pour regarder les télévisions. Oui. Les télévisions, oui. Vous êtes à la bonne endroit, les amis. J'ai différents modèles ici. Ici, j'ai une Sony à 350 $. Elle est fraîchement arrivée du manufacturier. J'ai eu ça la semaine passée. Une vraie aubaine, un petit bijou, mes amis. Ici, les amis, j'ai une Panaphonique à 850 $. Ça, c'est de la haute gamme. Ça, c'est pour ceux qui aiment vraiment écouter la TV. C'est de la belle TV, les amis. Bon, c'est ici, mes amis, ça. Vraiment, c'est le summum de la technologie qu'on a jusqu'à nos jours. Ça, c'est un écran plasma de LD à 420 $. Puis pour toi, mon ami, je te mets le gravitron là-dessus. Là. Check ça. Tu peux attendre ça de même. Là, tu tires l'antenne. Le temps, moi, de gosser ça. Attends ça. Ça, la semaine passée, c'était à 350, je l'ai mis à 200, plus la TV à 420, ça fait 4 plus 2, ça fait 620, je te fais ça à 600, un prix demi, mon homme. Fait qu'avec le graviton en haut, puis l'antenne, ça, là, tu pognes les postes de partout dans le monde, all around the world. Fait que ça, les gars, par exemple, là, ça reste entre nous. Ah ouais. Okay. Bon. Ici, dans le magasin, dans le sous-sol, j'ai une télé qui est encore meilleure que toutes les cochonneries que je vous ai montrées. Ah ouais. Attention, ça reste quand même de l'excellente qualité, là. Mais ouais. C'est rien de comparable à ce que vous allez voir. Hein? La Multivision 3000. Regardez bien ça, les gars. Voici la Multivision 3000. Bon, fait que là, vous avez choisi la Multivision 3000. Excellent choix en passant. Bon, fait que, vu que vous êtes très intelligent et que vous êtes des jeunes, je vais vous faire ça, un petit plan, un petit cadeau. Je vais vous faire payer ça. Des paiements étalés sur 36 mois, ça vous va les gars, 36 mois les paiements. En plus de ça, ça vous prendrait seulement un divan pour écouter la télé, qu'est-ce que vous en pensez? Oh, c'est bien ce que je croyais. Fait que j'ai un beau petit bijou en avant, je vais vous montrer ça. Regardez ça comment c'est mou et c'est confortable, du beau duvet, oui, 2000 $, c'est une vraie aubaine. Fait que les gars... Prenez la TV plus le sofa. La TV plus le sofa. Bon, et je vois ici que vous n'auriez pas à payer le sofa avant 2 ans. Oui, François, je te dis ça. En plus, sans aucun intérêt. Puis, vu que je vous aime bien les gars, je vous fais 10% de rabais sur le sofa. Et vous êtes chanceux. Bon, fait qu'il vous restera plus qu'à signer le contrat. Évitez de le lire. Petite blague. Vous pouvez le lire tout en entier, ça vous chante. Fait que l'argent est dans mes poches, le bœuf est dans les tables, la télé et le divan seront chez vous dans les prochaines semaines. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Salut. Hey, ça c'est de la TV. Oh, mais ça c'est gros en torpinoche. Oh. Ah ouais, qui c'est que ça dans ce temps-là? Aucune idée. Bonjour monsieur Dubois. Bonjour. Je suis huissier. Je viens saisir vos biens. Je vous ai envoyé une lettre il y a à peu près un mois. Lettre. Une lettre ici, hein, que vous n'avez pas déballée encore. Donc je viens saisir plusieurs de vos biens. Ah! Ah! Torpille! Qu'est-ce qui se passe? Vous avez deux comptes en souffrance chez Gérard et Fils. Ameublement d'intérieur. Le premier est un divan. Que vous devez payer il y a 3 mois. Deuxième, c'est une télé Multivision dont vous avez 18 versements en retard. Donc, vous devez 3125 pour la télé, 2720 pour le divan, ce qui fait un total de 5845 $. Ça qui a pas bien, mais comment on va payer ça? Eh bien, avec ce que vous avez dans la maison, d'après ce que je peux voir, vous n'avez même pas assez pour... rembourser la totalité de vos dettes. Yo, qu'est-ce qu'on va faire? C'est pas vrai. Dans notre société de consommation, 50% des gens se font avoir et paient des intérêts, ce qui est intéressant pour les grosses entreprises qui profitent non seulement de vous, mais aussi de ceux qui vous fabriquent ces biens. C'est pourquoi, avant de choisir quelle sorte de paiement utiliser, renseignez-vous sur qui finance ces modes de paiement et à quelles conditions. Comme par exemple, les taux d'intérêt peuvent aller de 18 à 36% dans le cas d'un contrat non respecté. Ces requins de la consommation seraient prêts à faire n'importe quoi pour vous bouffer le plus d'argent. C'est pourquoi il ne faut pas se laisser avoir par eux en écoutant leurs discours qui disent seulement les bons aspects de leur vente. Un vendeur disant 36 versements égaux sans intérêt ne dit pas que si le client oublie de payer à temps, le mois suivant, il devra payer 2 versements plus les intérêts. Encore une fois, renseignez-vous avant d'acheter avec ce mode de paiement car il est comme un beigne. Il est très alléchant vu de l'extérieur, mais on ne sait jamais à quoi s'attendre à l'intérieur. Oh! On va dire chez des beignes? Ah ouais, on va regarder le titre. Thank you.